Ainsi donc, bonsoir. Good evening, dober večer, because I have a Bulgarian lady here. Je suis absolument ravi d'être à nouveau sur cette scène. I'm very happy to be back on this stage because I used to live in Paris. Je vivais à Paris entre 2005 et 2016, between 2005 and 16. And I was very often programmed here. Je jouais très souvent. J'ai même remporté les trophées du Sunset deux fois. And then I wanted to do something else, to move on, to go to the east of Europe, to even stop my career a bit, même arrêter un peu de faire de la scène. Et donc ce soir, j'aborde ce concert en solo sur une tonalité très différente. Tonight, I will do something I have never done before. I will really improvise everything. I have some tunes, j'ai des titres que j'ai potentiellement le loisir de jouer. Ils sont écrits sur cette petite liste. I have some tunes that I can play, but I just wanted to be something like in the moment, here and now. I'm very into spirituality and psychology. Donc en fait, oubliez tout ce que vous savez, forget everything you know about jazz piano concerts, and just be with me, be together, live it as the moment that, vivez-le comme un moment que vous vous offrez à vous-même, avec moi, à travers moi, with me, through me, but just live it fully, and you can even close your eyes, vous pouvez même fermer les yeux, vous pouvez vraiment enjoy the vibe. I'm very happy being here tonight. Merci beaucoup. Thanks for being here. Thank you.
Thank you.
Merci, merci beaucoup. C'est vraiment, je vous remercie d'avoir assisté par votre présence. Thank you very much to be here for me when I'm trying to do that. L'exercice de l'improvisation complètement libre, c'est vraiment se jeter dans le vide. It's like you jump out of a bridge. Et en fait, j'ai observé plein de moments, je pense que vous les avez ressentis aussi, c'est même pas forcément la peine de mettre des mots dessus, mais c'est marrant comme le cerveau humain est très binaire. The human brain is very binary between what he knows, entre ce qu'il sait, entre ce qu'il va capter, what he will get from nowhere, and how it will be transformed into music. I consider myself just as a radio that I try to tune on the best channel ever every time I play. J'essaie de capter les fréquences qui sont là. Alors je vous connais pour certains depuis longtemps, pour certaines depuis longtemps, pour certains pas du tout. Et du coup, c'est très très étrange d'essayer de faire de la musique avec autant d'énergies différentes. It's very strange to make music with so many different energies around me, but I like very much this this exercise, and I'm very thankful to you to have encouraged this with your energy. Merci à vous, c'était vraiment chouette de faire ça ensemble. Merci. On va revenir à des choses plus du domaine du connu. We will go back to something more common, more maybe, yeah, just things that we know, at least things that I know because I composed it. Je ne suis pas venu les mains vides, et je suis venu avec non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre albums. I came with these four albums, which are winter, spring, summer, and fall. Last year I recorded 40 tracks to release them one after another. Every 8 days on Spotify, I release an album, and I also make those things alone. I order all the pieces, all the things that compose this little thing, and I do it myself. So they are unique pieces, and I'm very happy to drift between the 40 tunes just for you, just here, just now. And this is the tune now, here and now.
J'aime beaucoup la forme sonate. I like the sonata form. C'est généralement en trois phases. Un genre d'exposé. First phase is like a first theme. Après, il y a un truc voilà, qui est un peu plus comme ça, effectivement. Un peu moderato. Et ensuite, quelque chose qui nous emmène. Something that raises up the energy. Et ce dernier morceau s'appelait Le premier jour d'été, a.k.a. Summer's Day. Et il était dédié à mon cher Sébastien. Je ne sais pas où tu es, Sébastien. Où es-tu, Sébastien? Il est là. Sébastien Dumas is my mentor, my coach in the business. Et on a passé des journées très sympathiques. We had some very sympathetic days in Saint-Étienne, sa ville, où on a filmé when we recorded some movies. Et vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a une très belle version avec des travelling incroyables sur ce titre Summer's Days. Summer Days. Et les choses qui m'inspirent, c'est la nature. What is inspiring me is nature, people, spiritualité, et aussi des moments particulièrement difficiles. And sometimes life, human beings' life is very tough. Et ce sont des moments très créatifs pour quelqu'un qui est une espèce d'éponge à émotions comme moi. Somebody who is a kind of sponge to emotions is very attracted to low energy. Et les titres qui vont venir maintenant parlent un petit peu de ça, parlent des moments où on ne sait plus très bien pourquoi on vit, pourquoi finalement. Et moi j'aime beaucoup parler de cette énergie là avec ma musique. I really like to speak about low vibration energy in my music, something like breaking up, death, disease. Et aussi parce que après ces moments-là, il y a toujours un moment où ça va mieux. And also because after very tough moments, there is always something better. Donc voici un petit peu d'âpreté.
Merci beaucoup. This was as children do. You know, it's very hard to say that Jesus said something because who knows? We were not there. On ne sait pas ce qui est rapporté à Jésus était la vérité. Mais il y a une phrase qui est revenez comme si vous étiez des enfants. One thing that Jesus said once, become child again. And ce titre, it was a bit like become child again. Il fait partie de un de ses quatre albums. Je sais que c'est un peu pas super de faire de la promo, mais en même temps, c'est comme ça que vous êtes invité à soutenir les artistes. Votre présence est déjà un immense soutien pour moi. Et je suis venu avec une petite vingtaine de ces objets. I came with 20 of these albums, 5 of each season. So if you are interested in, vous êtes les bienvenus pour repartir avec un petit exemplaire dédicacé. J'ai été acheter des crayons blancs exprès tout à l'heure pour pouvoir les signer pour vous. Je suis presque à la fin du temps qui m'est imparti. Je voudrais remercier beaucoup l'équipe du Sunset Sunside. I would like to thank the wonderful team of Sunset Sunside, Stéphane, Agnès, Victor et Laurane aussi. Donc je vous propose, si vous êtes OK, que nous leur réservions un petit applaudissement parce qu'ils font un super travail. Bravo. With COVID and stuff, it's not very easy now to have you here because everybody is watching as is to the screen. Aujourd'hui, on était au musée Rodin. This morning, we were at the musée Rodin, et tout le monde est en train de regarder son téléphone. Et là, je crois que personne, presque personne, ne regarde. Vous avez regardé un peu votre téléphone. Je vous ai vu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Personne ne regarde son téléphone pendant. Allez, 1h, 1h10, et c'est assez formidable. Je vous avoue que je suis très touché parce que, en fait, où qu'on aille aujourd'hui, on est toujours, we are constantly looking at our phones, mais là, pour un concert de Armel Dupas, vous n'avez pas utilisé votre téléphone pendant 1 heure, donc bravo et merci à vous. On va se quitter avec un morceau qui est très symbolique pour moi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vécu à Paris pendant plus d'une dizaine d'années. Et un jour, j'ai réussi à me persuader d'aller vivre en Sologne. I used to live for 10 days in Paris, and then I was brave enough to go and live in the countryside. Et c'est un très bel endroit où mon amie Léa, Diana et quelques autres amis, on va se retrouver la semaine prochaine pour une petite semaine de vacances. Et donc, je voudrais, avant qu'on se quitte, vous emmener comme ça, l'espace de 10 minutes, dans une magnifique forêt. Qui est la Sologne, c'est juste à 2 heures de Paris au sud, et c'est un endroit qui m'a accueilli, qui a accueilli mes émotions, qui a accueilli qui j'étais en 2016-17, pour ensuite me laisser repartir. Donc voilà, je vous emmène en Sologne, et ensuite je vous accueille pour quelques CD à signer.
Merci beaucoup. Merci. Thank you. Благодаря.